C'est simple, c'est rapide. Hop, entre le bloc prise, tac, la bassine. Tac, tac. Tac, tac et tac. Bref, tu l'auras compris, dans cette vidéo, je vais te présenter en détail cet aménagement. Allez, suis-moi, c'est parti. Un aménagement composé de plusieurs tiroirs. Un tiroir cuisine. Hop, un réchaud. Sur toute la superficie du tiroir, tu vas avoir un grand plan de travail, scindé en deux parties, pour avoir accès au rangement qu'il y a sur le fond du tiroir. Hop, une petite bassine. Donc ça, tiroir cuisine, et ensuite, de l'autre côté, place au rangement. Sur toute la longueur, que du rangement. Du rangement, du rangement. La glacière, plateau basculant, avec un accès facile par le dessus, ou de l'autre côté. Tu peux également l'enlever complètement. Et après, je te montre la suite. Ici, ça va être un peu la partie plus technique. On a une batterie nomade de l'autre côté avec tous les branchements pour alimenter, tac, le ruban LED. Ça éclaire vachement la nuit. La pompe, hop, avec une cuve d'environ 50 litres derrière. Et ensuite, on va avoir ici la jauge de niveau pour savoir l'eau restant dans ta cuve. Et ensuite, ici, tu alimentes ton frigo, tout simplement. Ici, tac, tu ouvres. C'est le bouchon de remplissage. Pour finir, un bloc prise. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comment on replie tout ça. Ça va hyper vite. En plus de ça, c'est un seul ensemble amovible que tu vas pouvoir mettre ou retirer de ton véhicule. Tout est sanglé au véhicule. C'est simple, c'est rapide. On éteint la lumière, la pompe, la sonde, le frigo. On rentre le bloc prise. On rentre le réchaud, la bassine. Qu'on vient, hop, claquer ici. Tac. Tac. Alors si toi aussi t'es intéressé par un aménagement, n'hésite surtout pas à me contacter pour rejoindre l'aventure. Tac. On verra ensemble ce qu'on peut faire. Alors si toi aussi t'es intéressé par un aménagement, n'hésite surtout pas à rejoindre l'aventure. Déjà quand t'as fermé la porte.